Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. On va aller voir un petit peu quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine. Alors voyons voir ici. Ok. Alors ici on a la carte de l'éveilleur. Donc déjà il semblerait que avec l'éclair en plus, il y ait un éveil assez rapide. Il y a quelque chose qui va venir éclaircir une situation rapidement, j'entends. On me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair cette semaine. On me dit ici que... C'est marrant parce que cette carte, elle peut tomber plusieurs fois et c'est jamais le même message. Là, ce qu'on me dit en fait, c'est que vous avez apporté d'importantes modifications dans les semaines qui sont passées par rapport à quelque chose. Et là, on me dit que vous allez voir ces modifications se concrétiser dans la matière de façon assez rapide. On me dit ici qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu bouleverser ce qui n'allait pas. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'allait pas, qui vient bouleverser, comme une prise de conscience aussi pour vous les serpentaires. Mais cet orage aussi, cet éclair, vous voyez, il descend du ciel. J'ai l'impression un petit peu, c'est comme des canalisations aussi. Alors, il est peut-être question aussi pour certains ou certaines d'entre vous d'être capable de faire des canalisations. Et il va être question, de canaliser plus fort, plus haut. Plus haut par rapport aux vibrations, j'entends, hein. Il est vraiment question de canaliser peut-être des choses assez... assez bouleversante, pas dans le sens ça chamboule les émotions, mais plutôt bouleversante dans le sens où ça chamboule le quotidien par rapport à des prises de conscience, ça chamboule dans le sens où ça amène un changement, mais positif. Vous voyez ? On est sur une énergie 51 ici, donc 5 l'équilibre et le 1 le début de quelque chose. Donc visiblement ici, en plus on sort de la nouvelle lune qui était hier le 25 septembre. Enfin si vous regardez le 26, c'était le 25 septembre, la nouvelle lune qui amène quelque chose de nouveau, un nouveau cycle avec une recherche de l'harmonie justement et une recherche de l'équilibre. La pleine lune, elle a fait travailler beaucoup de signes beaucoup plus difficilement d'ailleurs, par exemple, vous les serpentaires, les signes de feu, sur des choses émotionnelles, sur des choses à comprendre, sur des choses qui ont besoin d'être changées et modifiées. C'est pour ça, ici on est toujours dans cette énergie un petit peu de changement, mais qui a eu lieu et qui amène rapidement dans la matière des concrétisations en fait, j'entends, qui vous permet de voir beaucoup plus clair dans la matière. Et donc forcément, cette nouvelle lune amène quelque chose de nouveau. Et en plus, le 5, qui est le symbole de l'équilibre, on est vraiment bien sur la nouvelle lune en balance qui amène de l'équilibre dans quelque chose. Alors, sur le plan relationnel, sentimental, on a quoi? Eh bien, on a la prospérité avec encore le 14 qui nous fait 5. Donc, on a aussi, sur le plan relationnel, sentimental, quelque chose de très positif. Vous êtes vraiment sur le succès, on me parle d'expression de gratitude. Donc, ne pas hésiter à dire merci aussi hein, autour de vous, aux gens qui vous aident. Mais il y a des personnes aussi qui vont venir vous dire merci aussi pour avoir aidé ces personnes également ou pour ce que vous êtes tout simplement. On a une prospérité ici, on a quelque chose de très lumineux, donc ici sur le plan relationnel, familial, amoureux, en tout cas relationnel, social, j'entends ici que c'est plutôt le bonheur, c'est plutôt quelque chose de positif, on me dit que vous avez du succès autour de vous, vous attirez des gens, vous êtes bien entouré aussi, on peut compter sur vous. En tout cas, c'est une belle énergie sur le plan relationnel cette semaine. J'entends succès, heureuse fortune par rapport peut-être à une nouvelle relation. Ici, on est sur du 14 aussi, le 1 qui symbolise le début de quelque chose. Donc, il peut être sur le début de nouvelles relations aussi avec une nouvelle personne. Et le 4 symbolise les bases solides. Donc, c'est bien une relation ici qui est solide. Il peut être question de nouvelles relations amicales aussi qui sont aussi sur des bases solides. Sur le plan professionnel et matériel, eh ben, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le ravissement.
C'est une belle communication au travail, ou en tout cas par rapport à vos activités, hein, si vous n'êtes plus en activité. En tout cas, par exemple, si vous êtes à la retraite, c'est par rapport à ce que vous faites de vos journées, ou bien si vous êtes demandeur d'emploi ou au foyer, c'est aussi ce à quoi vous occupez vos journées. Donc ici, on me parle de bonheur, on est ravi, on est content, c'est la joie, ça pétille. En tout cas, sur le plan relationnel, oui, c'est aussi propice à la joie et au bonheur. Sur le plan matériel, professionnel, c'est également le bonheur. Donc visiblement, tout se passe plutôt bien. C'est pour ça finalement que ici j'entends qu'il y a eu quelque chose peut-être de nécessaire dans vos énergies pour venir changer certaines choses. On me dit aussi que vous, les serpentaires, cette semaine, vous allez peut-être vous aussi faire d'importantes modifications. Et j'entends du pouvoir, c'est-à-dire que vous allez prendre votre pouvoir, vous allez prendre votre place à part entière dans la société, dans votre vie. Vous allez prendre votre place en tant qu'acteur, actrice de votre propre vie. Et beaucoup d'entre vous, enfin, ou certains ou certaines d'entre vous en tout cas, ne seront plus figurants ou figurantes de leur vie. On agit, on fait les changements qui s'imposent et on avance vers une évolution visiblement très favorable dans les deux domaines. Alors, je vous rassure, ce sont des conseils que les guides me donnent pour vous pour cette semaine. Bien entendu, vous avez toutes et tous votre libre arbitre et ce n'est pas à moi de décider ce que vous allez faire de ces conseils derrière. Si vous les suivez, c'est libre à vous aussi, d'accord? Donc, c'est vous qui décidez. Alors, on va continuer sur la vie intérieure et spirituelle. On a la douceur, le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension. C'est surtout la compréhension et la douceur que je ressens ici. Ici, forcément, en fait, c'est un petit peu comme si on avait fait beaucoup de prise de conscience, beaucoup de réveil à l'intérieur de soi, qui vous avait fait aussi vous rendre compte de certaines modifications à apporter dans votre vie intérieure et spirituelle pour que ça puisse attirer à vous aussi ces belles énergies dans le monde extérieur. Donc visiblement, moi ce que j'entends ici pour vous cette semaine, c'est que vous êtes en train cette semaine de voir les fruits de vos efforts, le fruit aussi peut-être de certains bouleversements, de certaines choses qui ont dû être changées dans les semaines passées. Et là, vous êtes en train de concrétiser quelque chose visiblement. C'est en train d'aboutir. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Eh bien, cette semaine, c'est que déjà une nouvelle page est en train de s'ouvrir. Vous êtes en train de réécrire une nouvelle page ou un nouveau chapitre de votre vie. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc ici, il y a bien des changements ici qui sont en train de s'annoncer. Et on vous dit aussi, c'est peut-être ça aussi, les changements bouleversants. C'est pas des changements bouleversants, comme je vous dis, sur le plan émotionnel, quand on apprend par exemple une nouvelle qui vous bouleverse. C'est un changement bouleversant dans le sens où ça va changer votre quotidien. Mais j'entends en positif, vu les énergies qu'il y a. On me dit que vous allez aussi écrire une nouvelle page et que ces changements vont s'opérer parce que vous êtes aligné. J'ai les 7 couleurs des chakras ici qui sont parfaitement alignées et qui se raccordent finalement au bout de la plume. Et ça, c'est ce qui va vous permettre d'écrire votre histoire, d'écrire la suite des événements. Alors, eh bien ici j'ai la carte du travail, donc les serpentaires cette semaine c'est sous le signe du travail. Alors, travail sur soi, le travail vraiment à proprement parler ou pour gagner sa vie, ça va être les activités aussi, les études, enfin voilà, hein. On va voir un petit peu tout ça. Alors, il peut être question de certaines jalousies au travail, de certaines tensions au travail j'entends. Ouais, on me parle, mais c'est quelque chose peut-être de temporaire, c'est quelque chose qui vous déstabilise. Il va peut-être être question d'en parler, afin de prendre une certaine distance par rapport à ça. Il est peut-être question de prendre une distance par rapport au travail également, par rapport à un climat qui n'est pas forcément propice. On me parle de famille, on me parle de naissance, donc il est peut-être question en effet d'un nouveau travail ici aussi pour lequel on s'éloigne. On s'éloigne éventuellement de certaines personnes ici. Et j'ai la carte de la femme qui vous représente, vous ou votre partenaire, mais on est sur quelque chose de très émotionnel, j'entends. Il est peut-être question de travailler avec sa famille d'âme. Il est peut-être question de travailler en famille. Et ça n'est pas toujours simple, parce que tout le monde n'est peut-être pas toujours d'accord. On me dit que des décisions sont à prendre, qu'il va peut-être être question de parler en famille, pour pouvoir amener un changement sur le travail.
On me parle en tout cas de la naissance de quelque chose, d'un nouveau projet ou d'un nouveau travail. Il est peut-être question en effet aussi de devoir prendre une décision par rapport au travail, de devoir s'en aller. Il est peut-être question d'un nouveau travail qui se présente à vous et il va peut-être être question de devoir s'en aller. Et on en discute beaucoup, peut-être en famille, parce que ça déstabilise un petit peu que de devoir déménager par exemple avec les enfants, etc. Parce que bah, ils ont leurs copains, ils ont l'école, etc. Tout le monde a ses repères là. Et puis là, il y a quelque chose, bah, le bouleversement, il peut être là aussi. Le bouleversement, il peut être dans le fait que il y a possibilité de changer de lieu de travail, de s'en aller pour le travail, d'un voyage pour le travail, et que ça n'est pas forcément simple. Alors, j'ai quand même envie pour vous de tirer une carte supplémentaire pour la suite, parce que visiblement on est cette semaine sur quelque chose qui déstabilise par rapport au travail, mais ça amène une victoire. Hein. Ça amène une victoire. Ça amène une victoire et ça ouvre sur quelque chose de positif par rapport à plus d'apaisement, plus de tranquillité. Il peut être question hein, d'un nouveau projet aussi, d'un nouveau lieu dans lequel on se sent mieux, dans lequel on se sent plus apaisé. Hein. En tout cas, c'est favorable et il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'amorcer par rapport au travail, un nouveau chemin beaucoup plus lumineux, hein. Il y a quand même de la lumière au bout de ce chemin, il y a quelque chose qui s'amorce, quelque chose de positif et on me dit hein, c'est une victoire vers quelque chose de nouveau, vers votre destinée qui est beaucoup plus en accord avec vous et plus alignée. Hein. Il y a vraiment un apaisement en tout cas. Donc c'est une semaine qui visiblement pourrait un petit peu bouger dans les énergies, parce que ça va, il va y avoir des choses qui vont peut-être changer dans vos énergies et surtout dans votre quotidien, mais c'est pour le meilleur. Voilà les amis serpentaires. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Bon courage à vous hein, pour tous ces changements. Et puis, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.